Est-ce que la, la, la réforme, elle est améliorable Parce que là, il y a un débat budgétaire. Vous avez été député euh, avant d'être nommé ministre dans le dernier gouvernement. Est-ce que vous vous dites, euh, cette réforme, on va l'améliorer Il y a des points d'amélioration, notamment dire, sur les 43 ans. Pardonnez-moi d'insister. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que notre capacité collective à améliorer cette réforme, elle va dépendre beaucoup des oppositions. Moi, j'entends un groupe, la France Insoumise, qui envisage de déposer 10 000, 15 000, 20 000 amendements, 80 000 amendements, etc. C'est etc. sûr que si on doit discuter, comme c'était le cas d'ailleurs dans la réforme précédente, des dizaines de milliers d'amendements euh, de virgule, hein, de, 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 de syntaxe, qui changent le titre du projet de loi, qui changent la virgule, qui changent le trimestre, pour faire de l'obstruction. Bah on n'aura pas le temps de discuter de l'essentiel donc on verra en tout cas le gouvernement la première ministre a dit elle est prête évidemment à discuter de cette réforme à l'assemblée on respecte le débat parlementaire ce sera c'est très important ce qu'on appelle en temps législatif programmé donc il y a bah, fricot, un temps pour 20 le débat jours, 20 non, jours. Pas, très, pas très ah court. si parce que c'est justement mais ouais. moi j'en ai vécu la, la loi PAC, finance, oui. la loi PAC dont j'étais rapporteur général ouais. elle est passée en temps législatif programmé on a eu le temps d'examiner 80 articles ouais. qui sont devenus même 150 articles dans la deuxième lecture non le sujet c'est si on passe le temps législatif. Programmé à discuter de l'essentiel, il y aura Et tout le temps pour jours, le débat. Vous trouvez c'est suffisant C'est beaucoup 20 jours. Ah. C'est 4 semaines de temps parlementaire, ouais. mais vous vous rendez compte. Ouais. Enfin, c'est beaucoup de temps. Le de, de la France ça durerait plus longtemps. Non, mais c'est un, un projet de loi qui est important. C'est ah bah, très important, les structures. Et qui est pas par non plus, à notre est pas 80 de... articles. Hein. Oui. Il y a un certain nombre de paramètres importants à discuter sur la pénibilité, sur les carrières longues, etc., etc. Et ça, le gouvernement est prêt. Si les oppositions décident de jouer okay. l'obstruction, on n'aura pas le temps d'avoir un vrai débat de fond. Ça, on verra. C'est à elles de décider. Euh, Est-ce que vous redoutez une mobilisation massive Vous avez vu bon, cette affiche quand même très forte. À peine Elisabeth Borne avait fini de parler euh, que euh, voilà, il y a eu les huit syndicats qui sont affichés ensemble, disant. C'est inacceptable, euh, donc certains disent qu'il y aura des conflits très forts dans l'industrie, dans l'énergie, on va y revenir, mais est-ce que vous attendez à une mobilisation très forte En tout vous cas, clairement, il n'y a pas de surprise, puisque même les syndicats dits réformistes euh, nous avaient ah, oui, dit, ils l'ont dit très publiquement, et depuis oui. un an, Laurent Berger notamment, qu'il ne souhaitait oui. pas, il pas avait d'ailleurs un mandat raison. de son organisation pour oui. refuser toute oui. hausse, de l'âge hum, de départ hum. à la retraite. Hum. Donc à partir du moment qu'il y a ce totem, c'est un vrai totem pour le. De deux c'est un totem. Hein. Non, 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 non. non, non. Voilà, c'est votre c'était un, un, un engagement très fort dans la campagne présidentielle, jamais, qui quand même, je le rappelle, a été remporté par Emmanuel Macron. Carf. Il, faut il avait dit que 65, stated, euh, fêtard, Il avait dit absolument le contraire. Il fallait pas réformer les retraites. La situation économique a changé en profondeur. On a eu une crise sanitaire historique. On a des prévisions qui donnent un déséquilibre du système, mais surtout. Il avait dit 65 et on arrive à l'Assemblée avec un projet de loi qui dira 64 ans. On nous avait demandé, notamment les républicains, mais aussi un certain nombre de voix syndicales, de privilégier la voie dite de l'accélération de la réforme Touraine. C'est ce qu'on a pris en compte. Donc, on souhaite équilibrer le régime. On souhaite aussi en profiter pour renforcer un certain nombre de considérations sur les carrières. Mais sur la longues. mobilisation, est-ce que oui, donc c'est ça. Donc oui. on n'a pas de surprise sur le fait que tous les syndicats. Pour vous donc, c'est il n'y a, 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 a aucune inquiétude à avoir. Non, mais c'est pas une histoire. Vous nous dites, est-ce que vous redoutez Est-ce bah, que, si. est que vous êtes inquiet J'entends ici ou là les veillées d'armes, etc. Oui. Moi, je suis assez réservé sur ce, sur ce vocabulaire extrêmement belliqueux. On est dans du dialogue social à la française, qui souvent passe en partie par les rues. On est dans un processus démocratique extrêmement bien identifié avec un projet de loi, un temps législatif mmh. programmé, etc. Et donc, on va avoir une chorégraphie habituelle qui fait qu'on va avoir des manifestations. On verra l'ampleur de les manifestations. Oui. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, j'en suis convaincu, c'est que quand je vais visiter des usines, mmh. à chaque fois, je demande à rencontrer les organisations syndicales. Les gens que je rencontre, ils me parlent. D'inflation, ils me parlent de crise énergétique, ils me parlent d'inquiétude sur leur outil de production, ils ne me parlent pas de réforme des retraites. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation première Alors, des Françaises et des Français aujourd'hui, mais on verra. Juste pour. Euh